Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre, édition 2017, les autorités municipales à leur tête, le délégué général du gouvernement près de la commune de N'Djamena Dagouyakouba a mis en terre deux plans. Le choix est porté sur le lycée de Diguel, dans la commune du 8e arrondissement. Kalia Ngavotna. Depuis quelques années, le gouvernement tchadien a engagé une lutte sans merci contre l'avancée du désert. L'institution de la Semaine nationale de l'arbre par les plus hautes autorités du pays témoigne cette volonté. C'est pour ne pas rester en marge de cette semaine consacrée à la mise en terre de plans que les autorités administratives et municipales de la ville de N'Djamena ont procédé à la mise en terre de plans à l'école Diguel Est située dans la commune du 8e arrondissement. Un geste dont le but ultime est d'offrir un environnement sain aux élèves de cette école. Le délégué régional du développement rural de la ville de N'Djamena, Dr Adoum Youssouf, indique que c'est en plantant des arbres qu'on peut lutter contre la désertification accrue et renforcer l'écosystème. Fatimé Yaya Abdoulaye, maire de la commune du 8e arrondissement, invite chaque citoyen à planter un arbre pour appuyer la politique du gouvernement dans la lutte contre l'avancée du désert. Nous devons nous mettre au travail à partir d'aujourd'hui pour planter des arbres devant nos maisons, dans des espaces vides, afin de faire la capitale du Tchad une ceinture verte. Lançant officiellement la Semaine nationale de l'arbre dans la ville de N'Djamena, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena souligne que le choix de cette école n'est pas fortuit. Le choix de cet établissement scolaire pour le lancement officiel de la Semaine nationale de l'arbre n'est pas fortuit, car il suscite de l'importance de la préservation de l'environnement dans l'éducation de nos jeunes. J'exhorte vivement les responsables et les élèves de cette école de veiller soigneusement à l'entretien de ces plantes, seul gage de la préservation de notre écosystème. Juste après la mise en terre des plans à l'école Diguel Est, les autorités administratives et municipales se sont rendues au gouvernorat où ils ont mis en terre une centaine de plants.